les filles, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, vous savez qu'on se retrouve pour la Birchbox, mais je voulais m'excuser parce que j'ai pris beaucoup de retard cette semaine. Vous allez l'entendre dans cette vidéo et dans les prochaines, puisque j'essaie d'en filmer pas mal aujourd'hui. Je suis complètement malade, j'arrête pas de tousser, je me tape de la température. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal. En plus, à côté de ça, il y avait d'autres problèmes qui s'ajoutaient. J'avais vraiment pas la tête à filmer et j'avais pas envie de filmer pour filmer. Je préfère ne pas vous mettre de vidéo quand ça va pas et de revenir en force. Du coup, promis, la semaine prochaine, vous allez avoir les 3 vidéos et la semaine d'après, vous aurez vos 3 vidéos. Si tout se passe bien, j'aurai filmé pas mal de vidéos. Donc c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour la Birchbox du mois de mai. Donc elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Elle est à gratter, donc je vais vous la présenter et ensuite on se mettra sur mon bureau et on la grattera ensemble. Je pense que ça peut être plutôt pas mal, et si je gagne, comme ça vous verrez ça en direct. Donc elle est petite, hein, elle est toute rose, assez glossy par contre, donc j'aime plutôt pas mal, et le truc à gratter, je trouve ça hyper ludique. Donc voyons, voyons ce qu'ils nous en disent. Donc ce mois-là aussi, on pouvait choisir un produit de la box. C'était soit un shampoing sec de chez Baptiste, donc vous savez que j'en peux plus de ces shampoings secs, soit un shampoing solide. Du coup moi j'ai pris le shampoing solide, on verra bien ce que ça donne. Donc on va commencer, je vous ferai voir après le petit flyer. On va, je vais vous présenter les produits avec le menu. Donc on commence par la marque Aini, je ne sais pas trop comment ça se dit. J'espère que vous verrez bien le produit. Donc c'est un pur lumière, gommage pureté, éclat visage, extrait d'Akioté. Donc on va voir ce que ça donne. Gommage pureté éclat pure lumière, les 50 ml valent 29 € et nous on a eu 20 ml. Le petit plus, c'est l'extrait huileux de graines d'Akioté concentré en caroténoïdes, rehausse le teint. Donc je pense que ça doit être à peu près un petit peu à base de carottes. Ouais, il est assez orangé jaune, donc je pense que ça peut être pas mal et je pense que ça je peux plutôt aimer ce petit produit. Donc je verrai bien si j'aime, je vous le montrerai plus tard. Ensuite, on a eu de la marque Kweishi. Donc, je ne connais pas du tout cette marque. C'est un petit tube comme ceci. Foot Care Cream, donc crème soin de soin pour les pieds. Je regarde parce que j'ai presque plus de batterie, donc j'ai peur que ça se coupe. Donc, les 100 ml valent 14,95 € et nous avons eu 40 ml, donc même pas la moitié, quoi. Les ingrédients phares, ce sont de la gelée royale hydratante, de l'huile essentielle de feuilles de thé antiseptique qui lui donne son parfum légèrement médical et de l'extrait d'amande douce apaisant. Donc on verra bien, j'ai vu qu'il y avait de l'amande douce, donc c'est pas ce que je préfère. Mais bon, on testera, surtout avec les beaux jours, ça fait pas de mal de prendre soin de ses pieds puisque nos pieds, on les fait voir un petit peu plus quand il fait beau. Donc je trouve l'idée plutôt pas mal. Ensuite, de la marque L'Amazuna, donc c'est ce petit produit qu'on pouvait choisir. Ça se présente comme ceci, c'est vraiment tout petit, hein. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je ne sais pas trop si l'appareil photo, c'est l'appareil photo d'Angélique que j'ai. C'est un très très bon appareil, du coup j'en profite pour faire mes petites vidéos. Donc ils disent que les 55 grammes valent 12,50 € et nous on a 17 grammes. Donc ça se présente comment, ce petite chose? Ouais, on dirait un petit savon, hein. On dirait un petit cannelé. Sincèrement, il pue. Ça sent le bio, quoi, je trouve. Donc, c'est fabriqué en France. Sans sulfate, cruelty-free. Donc, ça peut être pas mal. Frottez votre cannelé sur cheveux bien mouillés jusqu'à les faire mousser. 100% vegan, naturel, cheveux normaux. Au pain sylvestre, je connais pas du tout. Donc, on testera et pareil, je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, le produit suivant, c'est de la marque Merci Andy. C'est leur nouveauté. Ce sont des brumes visages rafraîchissantes. Moi, j'ai eu la Chill Out, la fraîcheur de la menthe. Il existe la Hello Sunshine, c'est un parfum de mon oeil, j'aurais bien voulu tester. Et la Flower Power, comme un bouquet de fleurs. Donc, sincèrement, je l'ai testée. Elle est hyper bien, hyper fraîche. L'eau, enfin la brume est hyper fine, donc je trouve ça vraiment extra. Et c'est, on aime le parfum léger, tout doux pour le visage et sa formulation sans parabènes et sans alcool.
Les 30 ml valent 4,50 € et donc nous je crois qu'on a eu le full size, exact, on a eu le full size. Donc je suis ravie de pouvoir tester et si j'aime, je serai vraiment, vraiment susceptible de racheter ce petit genre de choses pour mettre dans mon sac à main. Ensuite, de la marque Modelco, c'est le dernier produit, c'est un petit gel à sourcils qu'on a eu. Moi je l'ai eu en teinte medium dark, donc c'est parfait. Les 3,5 grammes valent 12 €. Et donc on a eu le full size, 3,5 grammes. Le petit plus, c'est qu'il sèche très vite, effet naturel garanti. On va l'ouvrir ensemble pour voir la pointe du mascara en fait. On va voir ce que ça donne. Hop, je vais mettre ici les petites poubelles. On rangera après comme d'hab. Après chaque vidéo, j'ai beaucoup de rangements à faire. Hop. Ah ouais, elle est plutôt pas mal. Elle est vraiment toute petite. Ça me fait carrément penser à celui de chez Benefit. Je vais essayer de m'approcher si c'est flou. Je m'excuse. Hop. Mais je crois pas que ça fasse le focus. Je ne sais pas trop comment faire le focus sur cet appareil photo. Je suis sûre qu'il fait parce que c'est un appareil photo extra. Donc très très contente puisque j'aime bien mettre du gel à sourcils. Là je reviens de chez l'esthéticienne, du coup sincèrement j'en ai pas vraiment besoin. Mais je suis très très contente. Donc voilà, c'est appliqué par un coup de la base à la queue du sourcil. Laisser sécher 60 secondes. Donc je suis très très contente de cette box. Comme d'hab, hein, il y a un produit visage, la brume qui est plutôt pas mal, un produit pied, un produit cheveux et un make-up. Donc vraiment, cette box me ravit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils font la Birchbox comptoir des comptonniers, prix d'abonné dès 39 €. C'est pour la fête des mères, je pense. Donc c'est plutôt pas mal, elle a l'air d'être vraiment jolie. Je vous mettrai de toute façon tout ce qui est lien en barre d'infos ainsi qu'un lien de parrainage si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Vous avez le droit à un cadeau et j'ai le droit à un petit cadeau aussi. Donc je crois que c'est tout ce qu'ils nous disent dans ce petit fascicule pour ce mois-ci. Donc bah comme d'hab, je suis vraiment ravie de cette box. On se retrouve tout de suite puisqu'on va gratter la box ensemble. Donc en fait sur le petit fascicule qu'il y a juste ici, on vous explique comment gratter votre box. Donc c'est parti, on va voir ça. Je vais le mettre juste devant moi, moi je suis juste ici. Donc c'est parti. En premier il faut faire celui-ci pour voir si on a gagné un week-end Murphy en thalasso. Donc sincèrement ça serait pas mal. Donc j'essaye, je sais pas trop comment je vais gratter ça. On va gratter à la main. Je ne sais pas comment je vais gratter ça, ça m'a l'air d'être un petit peu compliqué. Je sais pas trop trop. On va faire avec la clé. Hein. Donc normalement ça devrait être jaune si on aurait gagné. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout jaune. Donc on n'a pas gagné. Par contre, ça vous en met partout. Émilie m'avait prévenu du coup. On va faire comme ceci. Donc bah, on a perdu la première étape. Ensuite en petit 2, ils nous disent de gratter ceci. Et ça c'est pour gagner 300 € de fleurs fraîches. Sincèrement pourquoi pas hein. Donc pareil hein, c'est rose. Tant pis hein. Ensuite, ils nous disent de gratter ce petit truc, je sais pas trop ce que c'est, pour gagner 12 semaines de bons petits plats. J'espère que vous voyez encore bien. Donc, c'est perdu. Ensuite, 500 € de shopping en grattant ceci, le petit nuage. Donc, non plus. Ensuite, le numéro 6, le petit triangle juste ici, pour voir si on a gagné une bague en diamant. Ah non, c'est noir, donc sincèrement, on n'a pas gagné. Le petit 7, c'est le petit train juste ici, pour voir si on a gagné des coffrets make-up haut de gamme. Donc non plus, hein, je crois qu'on va rien avoir gagné. Hein.
Ensuite, le petit 8, c'est une séance photo et des kits make-up. Et le 8 est juste ici, c'est le petit parapluie, le petit parasol. Donc pareil, on n'a pas gagné. Et pour terminer, le 9, c'est ici. C'est pour voir si on a gagné 250 € de soins beauté. Donc, c'est pas pour nous non plus. Je vais prendre un petit mouchoir pour essuyer un peu la box pour qu'on voie un peu mieux. Comme ceci, donc vous voyez, tout est rose. Du coup, c'est qu'on n'a rien gagné du tout. Et de nombreux lots à gagner sur le Birchbox. Donc ça, on verra après. Donc je vais finir de tout gratter pour voir s'il y a d'autres trucs jaunes qui apparaissent. Et je vous reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai à peu près tout gratté. Comme vous allez voir, ça en fout partout. Donc c'est la Dream Factory by Birchbox. Donc le rêve, sincèrement, elle me fait pas rêver en tout cas. La box comme ça, telle qu'elle, elle me fait pas franchement rêver. Mais à la fin, du coup, on a un petit truc encore à gratter. Les étoiles sont-elles bien alignées? Avez-vous enfilé votre pull porte-bonheur? Allez gratter vite cette case et filez découvrir si vous êtes une grande chanceuse. Donc je vais gratter et comme ça, j'irai voir sur le site Birchbox. Comme ceci. Donc il y a mon code, j'irai voir sur le site Birchbox et bien sûr je vous annoterai quelque part sur la vidéo si j'ai gagné ou non. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous envoie plein de bisous, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, j'espère qu'on sera encore de plus en plus nombreuses. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite les filles. Bisous!